Eh bien, salut tout le monde, c'est Neval, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play sur Quantum Break. On s'est arrêté ici juste après que on soit sorti de l'ascenseur pour s'être fait mitrailler et qu'il y a eu un arrêt du temps, youhou! Alors. C'est par là. Bon, messieurs. Hop là! Ni vu ni connu. J'ai comme arme. Ah oui, gros pig. Gros pig. J'ai plus de power. Plus de pouvoir. Cet engin a inspiré mes pouvoirs. C'est ce que nous appelons un absorbeur de chronon. Ah ouais. Il y a un truc pas loin, je sais pas où il est. Ouais, trop à lire. Ouais, il y a trop de texte. Il y a trop de texte. Je vous laisse le soin de faire pause pour pouvoir lire. Alors, attendez, parce que j'ai vu un truc par là, là. Ben, je crois. Ah, c'est ça, il y en a un par là. Il y a même deux. Ah, il est là. Et l'autre, il est où? Il est là. Hop là. C'est fait. Hop, je suis passé. Ok. Oh! Je dois aller dans la de... Quand Paul est venu me voir dans cette cellule, et bam! Il m'a dit que le temps était une boucle, qu'on ne pouvait pas arrêter la fracture. Quand j'ai vu cet endroit, je me suis demandé à quoi tout ça pouvait bien rimer, puisque le temps touchait à sa fin. Ok. Bon, on va voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. J'ai combien de points? J'en ai deux. Ouais, bah à mon avis, avec deux, on doit pas faire caca bien loin. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, non, il faut du minimum 6, 6 ou 4. D'accord. On va attendre d'avoir 6. Bonjour, messieurs. Ah, mais faut me faire chier aussi. Hein. C'est l'idée. Hein. Et c'est par là. Je sais pas, mais c'est la merde. Wow, 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 wow. D'abord tuer ces petits cons là. Bon, lui, faut le choper dans le dos. Hop là, tu me vois plus. Yep, 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 tu me vois plus. Aouh. Concentré, je suis concentré, mais c'est chaud, hein. Il va le choper, lui. Hop, t'es trop nul. Il est mort. Ok.
Plein de trucs par là, on va déjà prendre des munes. Hop là. Je peux pas recharger la grosse pétoire? Ah fuck. Bon, pas grave. Il y a un truc là. Un écho. Ces trucs ressemblaient à des chars ambulants. Ils ne vous étaient pas destinés. Ne rêvez pas. Tiens, tiens. Oh, ça va, j'ai compris. Pas trop dur. Hop là. Je peux peut-être sortir par là. Hop là. Peu de grimpette. Youhou. Oula. Moi je sautais un peu tôt là. Bien par là, hein. J'imagine que c'est pas le chemin le plus emprunté. Ouais. Là par là. Ça. Le bureau du docteur Amaral doit plus être loin. Ouah, trop de trucs. On dirait que personne ici n'est au courant du grabuge que j'ai fait en arrivant. Bien joué, Bess. C'est marrant de les entendre parler au ralenti. Rien ici? Pardon. Voilà le bureau d'Amaral. Alors. Amaral avait déjà essayé d'avertir Paul. La fin du temps était imminente. Elle surviendrait dans les 24 heures, tout au plus. Monsieur Seren pensait que ça ne se produirait pas avant des années. Là-dessus, on peut dire qu'il se trompait. Ok. Ça ressemble à ce que Bess voulait. Ah, merde. Amaral est à la fête. L'interruption ne durera pas. Je dois trouver un moyen de sortir d'ici et de rejoindre la fête. Ouais bah attends. Je fais la lecture, d'accord? Enfin, je la fais pas pour moi, mais vous m'avez compris. Hop là. Bon, dites-moi, hein, si jamais je vais trop vite et que ça vous laisse pas le temps de lire. Si je rate des lignes, parce que bon... Hop, qu'est-ce qu'on a là? Pam joint Alan Wake. Eh? Où ça? Attendez. Je vous fais le truc là, et puis... Trop marrant. Elle est en train de jouer à Alan Wake, quoi. Oh là là, quoi. Ils en ont fait 50 des clins d'œil à Alan Wake dans celui-là. Ok, bon, y'a rien d'autre, y'a rien d'autre ici. Ah, le reste, c'est alors apparemment en bas. Alors... Ah, tes rapports, je les pousse encore plus, moi, regarde, tu vas chercher. L'équipement que vous avez volé vaut une fortune. Passez-moi la facture. Je savais que la couverture de Bess ne tiendrait pas longtemps. Il fallait que je le lui apporte à la fête au plus vite. Wow, il y a beaucoup de trucs ici. Hein. Moi je récupère, ça me va. Là... Ah, là, ça, c'est là. Comment j'y vais? Ok. Oh, ça va. Prendre juste l'escalier de l'autre côté, en fait. Hop. Hein? J'ai raté quelque chose, là-haut? J'en ai raté deux? Fuck. Bon, on va aller les chercher. Des armes qui fonctionnent lors des interruptions. Paul voulait que les armes résistent après la fin du temps. Attendez, je vais aller les chercher quand même. Les derniers documents. Ah, je les avais pas vus. C'est bizarre quand je suis passé devant, je les avais pas vus.
peux pas courir plus vite. Oui, je suis carrément passé devant, oui. Pardon, monsieur. Et l'autre, c'était celui-là. Hop, c'est bon. Il nous en manque plus que deux. Je pense que c'est plus loin, enfin j'espère. Alors c'était par là. Hop, hop, hop. Moi je dis, je suis bête de pas leur mettre une balle dans la tête à tous là. L'équipement de combat de Monarque était encombrant. Ce que j'avais récupéré dans le bureau du docteur Amaral était beaucoup plus léger. Une sorte de modèle civil. Ah bah bravo. Pas propre ce monsieur. Et par là y a rien. Le garage. On dirait que j'ai trouvé ma sortie. Il est là apparemment. Voilà. Ah, j'ai raté un truc en bas. Je peux pas sauter. Bravo, on va descendre. Toc toc. Là. Allez, nickel-toi, merci. Attendez, parce que j'ai eu des pouvoirs. J'aurais bien amélioré le bouclier, moi. Non, pas toi, le bouclier. Déflagration temporelle. Illumination multiple. Ah, il faut 6. Oh là là, il manque 2 points. Ah bah, on l'a un. Voilà. Ce que j'avais à faire, c'était traverser le garage. Ça paraissait plutôt simple. Ouais, mais vu que t'as pris ton flingue dans les mains, quelque chose me dit que ça va partir. Voilà. T'es sûr ça? À tout le personnel, Jack Joyce s'est échappé. Il se trouve actuellement dans le garage du centre de recherche et développement. Je répète, Jack Joyce s'est échappé. Il doit être arrêté à... Hey, toi tu vas te calmer toi. Yé, bonjour. Et boum. J'arrive pas à viser droit, c'est normal. Ils sont où là? Y'en a un là, non? Voilà. J'arrive toi. Tiens. Ta gueule mon gars. Plus de balles, bon bah. Wow. Et boum. J'adore ce coup, c'est excellent. Bon, on est mort. Cette alerte va pas arranger mes affaires. Ah ouais, ils sont tous morts. Je dois filer d'ici. Éteignez l'alarme. J'y vais. Il était nul. J'ai mis un gros coup là. Terminus, tout le monde descend, Janus. Tout à fait ce qu'il me fallait. Allez hop. Qu'est-ce qu'il a cru celui-là? Bess, j'ai votre équipement. Mais le docteur Amaral est à la fête. Oui, je viens de l'avoir. Vous voulez être mon cavalier? Avec plaisir. Gardez-moi une saucisse cocktail, je vous rejoins. Il pense que c'est quelqu'un de Monarque qui a tiré sur Hatch.
Ça peut nous faire gagner du temps, mais CRM vous cherche. Souvenez-vous de ce qu'on a dit. Je vais l'occuper. Bess, j'ai de la compagnie. Voilà la fête. Ouais, bisous, Bess. On est occupé là. Wow, wow, wow. Prends ton pompe, moi. Mince, j'ai pas mon pouvoir. J'avais pas le pouvoir du sprint. Allez, dehors. Il est génial ce pont. Combien il reste de pecno là? Hop. Tu me vois pas, tu me vois pas, tu me vois pas. Ça dégage. Bon, oh, oh, c'est un peu loin là. Dors. La 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 la. Boum. Et boum aussi. Les gros, moi je vous le dis, vous faites la grosse explosion. Terminé. C'était le dernier. Ils se font éclater quoi. Hop là. Donc c'est par où? Voilà. Allez, cours un peu, Jeannot. Pas par là? Si. Mais avant. Bonsoir, Riverport. C'est encore Teresa. J'ai avec moi un bagel bien frais. Attendez. Bon, je l'ai raté celui-là, là. Il est pas là? Oh. Peut-être qu'il est de l'autre côté de la porte. C'est là. Numéro 1, Monarque va l'intercepter. Ici Homeguard 5. Je viens de le voir entrer dans le réseau de tunnel situé derrière le parterre. Bess. Il vient de liquider toute mon escouade. Envoyez tout. Encore. Hop. Bon, Bess, elle est gentille et nous file un petit coup de main. Attendez, je vais améliorer l'accélération temporelle, je vais être élimination multiple. On peut choper deux mecs en même temps, ça c'est bon ça. Je voyais le manoir où le gala avait lieu. Je devais trouver un moyen. L'environnement me fait beaucoup penser à Alan Wake. Je voyais le champ d'énergie d'un autre absorbeur de chronon de Monarch. Il neutraliserait mes pouvoirs. Je devais trouver un moyen de le désactiver. Mes pouvoirs seront sans effet dans cette zone. C'est pas le moment de s'endormir. Paquet sur la sécurité. Je devrais peut-être éteindre cette machine. Quoi? Ok, pas de pouvoir, mais je vois pas les mecs alors. Pardon. Qui sont les méchants? Ouais, j'arrive pas à le choper. Ah mais c'est chaud. Plus de pouvoir, j'arrive pas à viser ou quoi? Et dors. Ok, pour péter cette merde. Allez, coupe-moi ça là. Absorbeur de chronon. Certains ennemis sont équipés d'un absorbeur de chronon. Ah, c'est-à-dire que mes pouvoirs marchent pas sur lui, c'est ça? On va tester. C'est ça. Eh merde. Quoi? Raté. J'arrive mon loulou. Eh tiens. Oh. Attends. Donne ton gun. Non, pas ça. Je veux ça. Vous vous rendiez à la fête. Quel était votre plan? Il est mort. Il fallait que j'intercepte le docteur Amaral avant la fin de l'interruption et avant que Monarch me... Attendez, il est mort lui? Ok.
Ah, attendez, j'ai entendu un bruit sur ma droite, peut-être que ça ouvre la porte là-bas en fait. Je suis pas monté sur le camion. Hop. Oui, moi j'entends un bruit sur la droite, mais je les vois. Et je cours! Eh! Eh! Je sais pas, c'est peut-être la porte qui est tout au fond? Non. Ah. Ça sert à quoi alors? Je comprends pas, je peux pas. Je vois pas la différence entre monter sur le camion ici ou qu'il soit reculé, je vois pas l'intérêt. Ah d'accord. Attendez, attendez, attendez. Ça se trouve c'est encore le truc du je sais pas étendre mes bras, il faut que tu sautes par là. Voilà. Juste pour faire ça. Ça me fait toujours. Ah, ok, relève-toi. Ça fait beaucoup rigoler comme. Bon ok, très bien. Ah, bonjour messieurs. C'est la seule entrée du tunnel par laquelle Joyce aurait pu passer. Surveillez la sortie. J'y vais seul. Monsieur, vous êtes sûr que vous ne voulez pas d'aide? On a vu de quoi Jack était capable. Je suis le seul à pouvoir l'arrêter. S'il rejoint le continent, on le perdra définitivement. Surveillez la sortie. Ok, on continue. Bezo est quelque part par là. Je dois la trouver avant la fin de l'interruption. Un traître a tiré des coups de feu pendant le discours de Monsieur Hatch. J'imagine que c'était Bess Wilder. On sait tous les deux que c'est faux. Hatch voulait ébranler Monarch. Et le meilleur moyen de ne pas éveiller les soupçons, c'est de faire croire qu'on est la cible. Eh ouais, poulette. J'ai détruit la moitié du parc d'attractions de Paul. Ouais, mais Monarch le sait. C'est sûr que ma couverture ne va pas faire mon feu. Ouais, je pense pas qu'elle sera utile pour la suite de toute façon. Bon, le docteur Amaral est quelque part dans le manoir. Trouvons-la. Avec un peu de chance, on aura filé avant qu'il nous repère. Ok, je vous suis. Ouais, je te suis. Ma petite baisse. Ma petite baisse. Qu'est-ce qu'on fera une fois qu'on l'aura trouvé? Il y a un ponton d'amarrage à l'extérieur du manoir. D'accord, ça peut marcher. Mince, attendez, excusez-moi. Ouah, je vous le dis, hein, y a du texte, hein. Pas qu'un peu, hein. Eh bah dis donc. Ouah, toujours plus, hein. Oh là 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 là. Je vous souhaite bien du courage. Fin du film. Ah. Oh merde. Oula. Il est bien gros. Au mauvais moment, littéralement. Jack, le docteur Amaral est là-dedans. Ah, c'est fait. On doit la faire sortir avant que le temps J'arrive. Tu m'engueules, mais c'est toi qu'on attend, coquine.
Mieux vaut qu'on se dépêche. Jack, faites-la avancer avant que le temps reprenne son cours et qu'on finisse en passoire. Allons-y, docteur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... Oh non! C'est pas vrai! C'est en train de se produire! Vous! Vous êtes Jack Joyce! Vous êtes là pour me tuer! Non! Mais vous venez avec nous, on a besoin de vous! Non! Vous n'avez pas le choix! Hé, c'est fort! Il est où ce putain de bateau? Juste là! Allez-y! Faites la montée à bord, je tiens! Venez, docteur! Vous finirez pas payé! Dispersez-vous! C'est Josh! Il a réussi à nous échapper! Ne laissez pas s'échapper! Prévenez vite, monsieur Sirène! Jack, il ferme la barrière! On sera coincés si vous ne l'ouvrez pas pour nous! Je m'en occupe! Filez dès que vous pouvez, d'accord? Et bam! Ça, c'est du snipe, ça. Tiens, t'as voulu faire le beau avec moi. Hop, j'arrive, mon pote, j'arrive, mon pote! Tiens, et bam! Ah, free tour. Ballot. Aide. Non, non, t'es mort, mon gars. Attends, tu peux pas avoir survécu à ça, on est d'accord. Quelque chose à récupérer? Au, 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 au. Hop, j'esquive la tourelle, voilà. Ah, mais je me disais que c'en était un, ça. Au début, je croyais que c'était une lumière. Ah, viens voir papa. Non, prends-le, voilà. Parfait. Tiens, tiens, qu'est-ce qu'on a là? Pouh! Le pauvre petit! Je dois ouvrir cette barrière. Et vous? Vous pouvez y aller. Je peux revenir pour vous aider? Non, non, allez-y. On s'est donné tous mal pour elle. Bess, faites en sorte qu'il lui arrive rien. Je trouverai un moyen de sortir. Mon plan était simple, un pont reliait l'île au continent. J'avais l'intention de repousser tous les obstacles que Monarque mettrait en travers de mon chemin et de voler une voiture afin de retourner à la piscine. Dors. On verra bien ce qui se passe. Moi je suis dans le caca là. Wouhou. Speedy, speedy. Ah oh, plus de jus. C'est ballot quand ça arrive, hein. On est le gros. Dégage. Oh merde. Dors. Ah, j'ai toujours pas mon pouvoir. Laisse-moi tranquille. Tu ne peux pas me toucher. T'es blasé, hein. Allez, dégage. Qu'est-ce qu'il a cru, lui? Maintenant que Bess et le docteur Amaral étaient partis, il était temps que je mette les voiles. Et pour ça, il me fallait une caisse. Les voituriers. Le service préf...
Cette chose qui grandit là, à l'intérieur de moi. Ça fait si longues années que j'essaie de la combattre. Le docteur Amaral travaillait sur un remède contre le syndrome des Cronons. Elle était la seule à pouvoir m'administrer les traitements qui freinaient l'évolution de ma maladie. Paul. Et Jack, il a osé me l'enlever. Comment est-ce que ça a pu arriver, Martin ? Comment est-ce qu'ils ont réussi à l'enlever ? Paul, c'est la maladie qui parle. Je suis dans votre camp. Du calme, ça va aller. Ils me l'ont enlevé. Et sans Sophia, je n'ai aucune chance de trouver un remède. On a fait le maximum. Mais certaines personnes au sein de Monarch veulent votre perte. Burke était la partie visible de l'iceberg. Mmh. Joyce n'a pas agi tout seul. Monsieur, on a retrouvé l'ordinateur du docteur Amaral. Il est là-bas si vous voulez venir voir. J'arrive tout de suite. Je veux vérifier les calculs de Sophia. Si elle a raison, la fracture évolue bien plus vite que nous ne l'avions anticipé. Bon, on va se laisser ici. Juste avant de faire le choix, le début de l'acte 4, si je ne dis pas de bêtises. Bon, apparemment, il va falloir choisir l'ami de confiance. Bon, on verra, écoutez. Hein. On verra. Bon, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très très vite pour la suite de Quantum Break. Allez, plein de bisous. Ciao.